Donc, pour moi, c'est les élèves en immersion sont les candidats idéaux pour ce genre d'approche, étant donné qu'eux, ils peuvent profiter le plus de l'aspect interactif de l'outil. Petite question pour toi. Est-ce possible d'utiliser bon patron, peu importe le palier? Auparavant, moi, je disais qu'il fallait au moins être capable de faire une phrase. OK. Parce que ça prend quand même un texte pour que le programme puisse identifier les problèmes, les fautes reliées à des combinaisons. Mais moi, maintenant, parce qu'on a aussi on a commencé à faire développer un outil pour le vocabulaire. Alors moi, je dirais que maintenant, équipé avec un peu de vocabulaire, même si on n'est pas capable de faire une bonne phrase, on peut mettre ces mots ensemble, passer par bon patron, et même ces élèves au niveau vraiment aux débutants peuvent profiter et apprendre des choses. Donc à moi, la réponse c'est oui, n'importe qui, ceux qui commencent, et les francophones, tout le monde est le bienvenu.